Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien car je viens de recevoir deux produits ce matin. Donc je viens de recevoir le Mix 4 ainsi que la Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Donc aujourd'hui on va voir ensemble ce qui se trouve dans la boîte et un premier aperçu du Mix 4. Donc c'est le dernier smartphone de chez Xiaomi qui est sorti en Chine il y a quelques semaines maintenant. Alors la caractéristique principale de ce smartphone, c'est qu'on va avoir une caméra intégrée directement sous l'écran, donc on n'aura pas de trou, on aura un écran complet, et donc on va essayer de voir effectivement si cet écran rend quand même bien. Je vous avais présenté il y a quelques mois maintenant le ZTE Axon 20, qui était le premier smartphone à proposer cette technologie. Malheureusement sur le ZTE, la qualité au niveau de l'écran, là où se trouvait le capteur, n'était pas terrible, on voyait des pixels, etc. Donc j'étais obligé de cacher un petit peu ça en mettant des fonds noirs ou des choses comme ça, et en plus de ça, la qualité du capteur selfie n'était pas terrible non plus, donc j'espère que sur le Xiaomi ça sera beaucoup mieux et on va déjà voir un petit peu ce que ça donne. Pour la tablette par contre je vous ferai une deuxième vidéo dédiée pour qu'on parle vraiment de cette tablette pour la partie unboxing, première prise en main, donc pensez à vous abonner à la chaîne et on commence tout de suite. Voici donc la boîte du Mix 4, donc ici on est sur une version que j'ai achetée sur Trading Shenzhen, comme d'habitude quand je prends des produits un petit peu en avant-première, donc on va le trouver entre 777 € et 1017 €, donc en fonction des versions, donc entre une version 8 128 Go ou ici la version 12 256 Go, et on va encore avoir une version 12 512, donc on a quand même pas mal de choix et ça permet d'avoir des prix qui varient un petit peu en fonction de vos besoins. Alors comme je vous l'ai dit, la caractéristique principale, ça va être cette caméra sous l'écran, mais on a aussi d'autres, on va dire d'autres caractéristiques quand même intéressantes. On va avoir un Snapdragon 888+, on va avoir un écran de 6 pouces,67 AMOLED 120 Hz, on va avoir de la RAM en LPDDR5, de l'UFS 3.1, et on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Donc ici, comme je l'ai acheté sur Trading Shenzhen, le téléphone a été vérifié avant l'envoi, ce qui évite d'avoir de mauvaises surprises, et du coup de le voir le renvoyer dans l'autre sens. Donc ici, on a une carte écrite en chinois et on a tout de suite le smartphone. On va le regarder juste après, on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc ici, on va déjà avoir une protection, ce qui est quand même assez joli. On voit que le packaging a quand même été travaillé. Donc c'est donc une protection en plastique souple, comme on le fait souvent. On voit que la taille du capteur est vraiment importante, donc on prévoit donc un gros bloc photo. On va ensuite avoir la partie USB. On a donc un câble USB vers USB-C. On va aussi avoir l'outil d'éjection de carte SIM juste ici. Et ici, on va avoir un adaptateur USB-C vers port jack. Donc ici, on n'aura pas d'écouteurs. Ce n'est pas un téléphone que j'ai acheté en France, donc ils ne sont pas obligés d'en mettre dans la boîte. On passe maintenant à l'autre boîte. C'est ici l'adaptateur, donc le chargeur tout simplement. Alors, j'étais pas sûr qu'il soit fourni avec dans la boîte, donc c'est plutôt un point positif de voir qu'ils l'ont quand même rajouté. Ici, on est donc sur un chargeur 120 watts en plus. Donc ce qui aurait été un petit peu dommage, c'est si j'avais pas pu l'avoir avec le téléphone comme ça se fait maintenant, j'aurais dû rester sur un chargeur beaucoup moins puissant, ce qui aurait été quand même un peu dommage de ne pas pouvoir profiter de cette charge. Ici on va donc avoir une recharge rapide 120 watts en filaire, et on va avoir en plus de ça la possibilité de charger en sans fil jusqu'à 50 watts, et on a une batterie de 4500 mAh. Et bien sûr, le site nous envoie un petit adaptateur, parce que forcément ici, on est sur un chargeur chinois, donc c'est tout de suite moins joli en mettant l'adaptateur en plus, mais bon, au moins ça fonctionne correctement. Alors on va passer maintenant au déballage du smartphone en lui-même. Comme vous le voyez, on a un très joli téléphone, donc ici on est sur un revêtement qui est fait en céramique, il est en trois couleurs, en blanc, en gris et en noir. Ici j'ai eu la version noire, donc j'espère que ça se verra bien à la caméra, c'est pas toujours le plus pratique avec le noir. En tout cas il est vraiment joli, ici on n'a pas de finition mate, donc c'est très brillant. On retrouve les boutons volume et power sur le côté, on retrouve un port USB-C, le tiroir SIM et un haut-parleur juste en bas. Sur le côté gauche, on n'a rien du tout, tout simplement. Et sur le dessus, on va avoir du coup un capteur infrarouge ici, un micro aussi et un autre haut-parleur, parce qu'ici on voit le logo signé Harman Kardon. Et il est vraiment joli, c'est vrai que le bloc photo ressort pas mal, alors j'espère que ça se verra bien à la caméra. C'est vrai que du coup il est quand même assez imposant, donc après de toute façon on va venir mettre la protection, ça viendra protéger tout ça, mais sinon le téléphone est vraiment beau. C'est vrai que ce côté céramique qui fait tout le tour, qui revient jusqu'à sur les côtés, est vraiment bien fait. Du coup le téléphone est déjà prêt, étant donné qu'ici avec Trading Shenzhen, ils le vérifient, ils le mettent en anglais, etc.
Je sais que certains n'aiment pas trop ça. Après, vous pouvez de toute façon venir le supprimer complètement. Vous pouvez réinstaller le système en entier si ça vous fait plaisir. Ici, ils ont même rajouté le Play Store. Donc comme ça, ça évite tout problème. Donc là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de regarder forcément la partie sur ce capteur sous l'écran qui est juste ici. Alors, ce qui est marrant, c'est que la protection d'écran est là. Et on va avoir du coup le trou pour le capteur photo, même si on ne le voit pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu amusant forcément d'avoir fait ça comme ça. Mais je pense que vous n'avez pas trop le choix pour éviter que ça soit trop mauvais au niveau de la qualité. Donc effectivement là on ne voit pas de pixels ou quoi que ce soit, hein, comme on avait sur la version du ZTE Axon que je vous avais déjà présenté. Mis à part le trou de la protection d'écran, on ne saurait pas qu'il y a un capteur. Donc j'ai vu que certains enlevaient la protection d'écran, donc je vais la garder quand même pour le moment. Je verrai pour le test si je la retire quand même ou pas. Sinon, si on fait juste un tour vite fait sur DRM Info, on voit qu'ici on a du L1, donc on ne devrait pas avoir de soucis pour Netflix et autres pour avoir de la Full HD. Heureusement, vu la taille d'écran, ça aurait été un petit peu dommage. Au niveau de la partie photo, on va avoir du coup le 108 mégapixels, donc c'est le même capteur qu'on va avoir sur le Mi 11 par exemple. Ce ne sera pas un capteur aussi bon que sur le Mi 11 Ultra, donc ça forcément c'est un petit peu dommage. Ici, on est plus concentré sur les nouvelles technologies, les nouveautés, ce que Xiaomi sait faire, plus que pour avoir un concurrent du Mi 11 Ultra, par exemple. Si vous êtes vraiment intéressé pour la partie photo-vidéo, ça restera le Mi 11 Ultra le plus intéressant. Ici, on est plus sur des tests, des nouvelles choses que Xiaomi sait faire, et ce capteur selfie sous l'écran principalement. En plus de ça, on va aussi avoir un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur périscope de 8 mégapixels avec un zoom allant jusqu'à x50. Alors je vais quand même vous montrer ce que donne ce capteur selfie. Donc c'est vrai qu'avec la lumière qui est juste ici, c'est pas forcément l'idéal. Parce que du coup ça fait un petit peu comme si j'avais mis mon doigt dessus, qu'il y avait une trace de doigt, donc ça c'est pas terrible terrible. En se mettant comme ça, c'est moins problématique. Je vous fais quelques photos que je vous mettrai du coup en illustration. Donc c'est vrai que c'est pas forcément tip top. Forcément avec ce selfie sous l'écran, on n'aura pas la même qualité qu'un smartphone qui n'a pas cette technologie. Maintenant ça reste quand même assez impressionnant. Je vous fais aussi une petite vidéo avec. Donc il y a quand même normalement pas mal d'éclairage parce que je me filme là. Donc la scène est bien éclairée. Effectivement là on pourra filmer jusqu'en 1080 à 30 fps maximum sur ce capteur là. On n'aura pas de 4K par exemple. Donc je vous mettrai ça juste à côté pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité. Bon, c'est pas incroyable, forcément. Maintenant, je m'y attendais un petit peu, parce que forcément, c'est un des premiers téléphones à proposer cette technologie. Il y en a encore d'autres qui sont déjà sortis, comme le Z Fold 3 aussi qui l'a. Donc forcément, ici, on va perdre en qualité au profit d'avoir un écran plein. Donc c'est à voir en fonction des usages. Si vous faites beaucoup de selfies, dans tous les cas, ça ne sera pas un téléphone pour vous. Il faudra se concentrer sur un téléphone plus classique, avec un trou dans l'écran, tout simplement. Voici maintenant ce que donne le téléphone en mettant la coque juste dessus. Donc comme vous le voyez, forcément, on perd le côté brillant de la coque, donc ça c'est un petit peu dommage. On n'est pas sur une coque de haute qualité non plus ici, mais ça permet quand même de venir le protéger, de protéger aussi finalement le capteur photo qui est juste là, c'est vrai qu'il sort quand même pas mal, et de protéger un petit peu son écran aussi au passage, avec les bords qui reviennent directement dessus. Après, je suppose qu'on peut trouver déjà des coques plus intéressantes sur le site Xiaomi ou directement sur Trading Shenzhen. Voilà donc pour cette première prise en main de ce téléphone. Je vais vous faire un test très bientôt. Je vous fais aussi une vidéo pour la Mi Pad 5 Pro qui va aussi sortir ce week-end. Donc ça me permettra de vous proposer ça déjà sur la chaîne. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça me permet aussi de les prendre en commentaire. Si vous voulez savoir quelque chose en particulier sur ce smartphone, que vous voulez que je teste quelque chose, j'imagine forcément la partie selfie. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent, qu'on a aussi un très gros processeur, peut-être sur certains jeux, peut-être certaines tâches en particulier. Donc n'hésitez pas, dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.